Ouais, félicitations. Bah ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Bah ouais. Bah nous, félicitations aussi, c'est ce que tu veux. Indila, c'est la seule fille des révélations des Victoires de la Musique 2015. Nommée dans la catégorie Album Révélation, elle est l'artiste féminine la plus écoutée en France cette année. Sa chanson Dernière Danse est déjà un tube européen. Indila, voilà une artiste qui résume à elle toute seule ce que doit être aussi la révélation album des Victoires de la Musique. C'est quelqu'un qui, il y a un an, n'existait pas. Un an plus tard, 540 000 albums vendus, certifiés, et deuxième meilleure vente d'albums derrière Stromae. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro et les dernières danses. Pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, mes douces souffrances. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je danse. D'espérance sur ce chemin en ton absence, j'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide, vide, vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur dans tout Paris. Je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Je suis une enfant du monde. Et je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Vient la douleur. Je m'envole, vole, 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 vole. Je vole. Indila, elle a été chercher son public directement, sans être voilà, dans une stratégie qui aura été longuement et finement pensée. On vient d'Algérie, et nos deux petites filles sont vraiment un bon aux chansons. Ah, ouais, je suis ravie, vraiment. Elle est vraiment typique de l'artiste 2.0. Son premier vecteur de communication, c'est la grande communauté des internautes et qui déploie une stratégie, pour le coup, du mystère.
Je ne donnerai pas ma date de naissance, je ne dirai pas vraiment qui je suis, donnant très peu d'interviews. C'est l'artiste mystérieuse. J'adore ce lieu, ça m'évoque mes souvenirs, mes plus beaux souvenirs d'enfance. Je passais souvent ici avec ma petite maman. Je l'accompagnais quand elle venait travailler ici, travailler dans le coin. Avec ma petite sœur, on adorait courir au milieu des, des retroupements de pigeons. Et on se battait pour donner du pain. Puis il y avait ma petite maman qui nous engueulait un peu parce qu'il fallait faire ça avec classe. Et je crois qu'on n'avait pas trop de classe à l'époque. Une jeune fille doit être classe, dans n'importe quelle condition. C'est un gros challenge, mais même en tongs, on peut avoir de la classe. Merci à toi, merci Steve. Un peu comme un bateau, j'avance face à la mer, je navigue sur les flots, un peu comme un bateau. J'ai compris que chanter me faisait du bien quand j'étais toute petite déjà, puisque je le faisais souvent. Et le souvenir le plus lointain, c'est vraiment quand j'avais 6 ans et que j'avais chanté pour un spectacle de fin d'année à la maternelle devant des parents d'élèves. J'ai pris le micro, j'ai chanté toute seule avec la classe en accompagnement derrière et j'étais au summum, je me souviens. Je pense ne pas pouvoir être plus heureuse que quand je chante. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et du coup, comme je suis au summum de ce sentiment-là, je me sens du coup pleinement vivante. C'est incroyable. Avant de faire mon premier album, je composais pour d'autres artistes. Je leur écrivais des textes et je leur trouvais des mélodies. Et j'ai chanté avec des artistes comme Rof, Youssoupha, Soprano et encore d'autres. Et c'est d'ailleurs de là que tout l'album a découlé. Que les gens appellent une part de mystère, il y a plusieurs raisons en réalité. Il y a cette volonté de vouloir se protéger, que je ne nie pas, que je dis volontiers parce que c'est juste la vérité. Mais il y a aussi cette part de pudeur et puis cette volonté aussi de vouloir rendre à César ce qui est à César, parce que je considère que c'est vraiment à la musique d'exister, à la musique en tout cas d'être mise en lumière, puisque c'est elle qui accompagne les gens, c'est pas moi. C'est elle qui, quand on ferme les yeux et qu'on se rappelle une chanson, on se rappelle pas de l'artiste ou de l'auteur forcément. La plupart du temps, on se rappelle des notes de musique, de ce sentiment, du souvenir que ça nous a évoqué, de la chanson. Et je pense que c'est important, en tout cas dans mon mini-world à moi, c'est comme ça que je vois les choses. On m'a toujours dit, même si les gens te voient grande, continue à te voir toute petite, parce qu'il n'y a que comme ça que tu arriveras à contrôler ton ego et à rester sage. Le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées, tailler la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Elle chante bien, elle a... Elle a eu de la tenue en scène, ce qu'elle a enregistré très bien. Quand il n'est plus là. Cette génération qui va nous suivre et qui va perpétuer notre patrimoine, il faut être très proche d'elle. Et je pense qu'il y a un âge où il faut aider les autres. Qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Tourner dans le vide, 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 tourner dans le vide, tourner dans le vide, il me fait tourner. Aïe, aïe, aïe,
Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Oh non, ne riez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça. J'espère le revoir là, va dans l'au-delà. Aidez-moi tout s'effondre puisqu'il n'est plus là. Sais-tu, mon bel amour, mon beau soldat. Lui, c'est Clément, alias Albe. Originaire de Reims, le groupe s'est fait connaître grâce à une chanson.